Ne l'appliquez pas plus de 3 nuits, car ceci enlève très vite les taches sur le visage. Ma meilleure amie a réussi à enlever les taches de son visage en seulement 3 nuits avec ceci. Si vous êtes intéressé par les sujets liés au bien-être, à la santé maison comme cette vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne et appuyez sur la clochette de notification pour toujours recevoir nos nouvelles vidéos. Mes amours, aujourd'hui, nous nous attaquons à un gros problème pour les peaux, surtout sur le visage et certaines parties comme les phalanges, les genoux. Ces parties subissent souvent l'apparition des taches et même des brûlures. Dans de nombreux cas, cela est dû à une forte exposition au soleil, mais aussi à une exposition à certains produits chimiques tels que l'hydroquinone et bien d'autres décapants puissants qui brûlent la peau et des fois, au moment de prise de conscience, il est trop tard. Ici, je vais vous présenter une recette qui fera disparaître ces taches complètement et de manière rapide et naturelle. Ne cherchez plus loin. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous dire comment vous pouvez le faire sans dépenser presque rien. Et si vous voulez aussi vous clarifier votre peau, éliminer les rides, je vais vous donner une très bonne option maison pour résoudre ce problème. Sachez que la pomme de terre peut être un grand allié en beauté puisqu'elle a de nombreuses propriétés régénératrices. Vous pouvez en profiter pour votre peau. Cette tubercule est capable d'éliminer les rides de votre visage, étirer la peau et même éliminer les taches gênantes telles qu'on l'a décrit plus haut. Mes amours, pensez à me dire dans les commentaires si vous souffrez de ceci, comment est-ce que vous en êtes arrivé là et depuis quand? Quelles sont les solutions que vous avez testées jusqu'ici? Pensez aussi à me dire quel âge vous avez, car en fonction de votre âge, parfois les taches ne sont pas causées soit par le soleil ou même par les crèmes, mais par d'autres raisons. J'attends vos réponses dans les commentaires. Maintenant, prenez note des recettes maison que nous vous donnerons, qui vous aideront à enlever les taches sur votre visage, limiter les rides et aider à éclaircir votre peau. Le tout premier masque que je vous propose est un masque de pomme de terre et de citron. Préparation. Lavez votre pomme de terre sans l'éplucher, découpez-la et mettez-la au mixeur avec votre citron, tout épluché par contre. Appliquez ce remède maison avec des mouvements circulaires souples sur votre visage et laissez agir pendant 20 minutes. Puis lavez votre visage avec beaucoup d'eau. Mes amours, s'il vous plaît, partagez ceci avec la famille, les amis, les copines pour que ça touche un maximum de personnes. Le masque numéro 2 est un masque de pomme de terre et d'oignon. Vous aurez besoin ici d'un demi-oignon blanc. Préparation. Prenez la pomme de terre et l'oignon, mettez dans le mixeur et mélangez tous les deux pour obtenir une pâte homogène. Les instructions d'utilisation s'appliquent uniquement sur les zones touchées de votre visage. Laissez-le agir pendant 15 minutes et lavez votre visage avec une eau abondante. En numéro 3, ceci sera pour éliminer les cernes. Il vous suffit de couper une pomme de terre et de placer sur les œilletons. Gardez-le attaché avec un bandeau et couvrez à l'aide d'un mouchoir. Laissez agir pendant 20 minutes. Puis retirer et rincer. En numéro 4, pour éliminer les rides, vous pouvez appliquer le jus de pomme de terre extrait de la pomme de terre de la même façon qu'on a fait plus haut, directement sur le visage. Ainsi, ça va arrêter le vieillissement de votre peau, ça va agir comme un antioxydant naturel et ça va surtout lutter contre les radicaux libres. En plus, votre peau aura un éclat naturel. En numéro 5, ceci permet d'éliminer les taches brunes de votre peau. Pour cela, lavez simplement votre pomme de terre et écrasez-la en pâte avec du bicarbonate de soude et un tout petit peu de vinaigre de cidre. Placez sur la zone touchée, laissez agir pendant 10 minutes et puis rincer. Cette procédure, vous pouvez effectuer dans la nuit pendant 3 jours d'affilée. Ensuite, faites une pause de 3 jours et recommencez jusqu'à la guérison complète et totale. En numéro 6, pour éclaircir votre peau, vous pouvez utiliser un masque de pomme de terre simplement, mais vous laissez agir plus longtemps. Soit vous faites écraser votre pomme de terre et vous pressez le jus. Ce jus, vous appliquez sur les parties à éclaircir et puis vous laissez sécher sur la peau pendant 30 minutes. Vous devez également appliquer une crème hydratante pour le meilleur résultat. Donc voilà, maintenant que vous savez que la pomme de terre est non seulement une bonne nourriture, mais aussi un excellent allié pour la beauté, vous pouvez l'utiliser. Rappelez-vous qu'avant d'appliquer certains produits faits maison sur votre peau, il est important de connaître votre type de peau pour éviter des réactions allergiques. Donc, il faut toujours essayer dans le coude pendant quelques minutes et s'il n'y a pas de rougeur, alors c'est bon. Maintenant que vous savez déjà tout cela, dites-moi dans les commentaires laquelle de cette recette vous avez aimé. Vous savez bien que j'aime vous lire, savoir de quel coin de la planète vous m'écrivez. Alors, n'hésitez pas à me dire votre nom et votre pays. D'ici
là, prenez grand soin de vous et sachez que je vous porte dans mon cœur. Bisous, bisous.